salut tous les amis, c'est Della, enfin, Pokémon. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui m'écouter, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Go. Cette fois-ci on va partir faire une énorme chasse aux Pokémon un petit peu partout dans toutes les villes. Cette fois-ci je ne veux pas un spot en général, je vais un petit peu chasser un petit peu partout. On va voir ce que ça va donner. Donc écoutez, en bonus vous allez avoir quelques évolutions et on verra ce que ça donne par la suite. Du coup mes amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes contents. Et bien, écoutez, je fasse une nouvelle vidéo Pokémon Go et on se dit à tout de suite pour le reste de la vidéo. Du coup on a un petit Nidoran. Alors ce que ça donne, désolé je suis dans la rue, évidemment on a bientôt Nidoking, c'est pour ça que je le prends. Allez please Nidoran. Tac, tac. On va mettre une Beframbie. On va voir super lancé, on va voir ce que ça donne. 1, 2 et 3, c'est bon. Ok, très bien mes amis. Eh bien écoutez, on continue la chasse dans la rue. Là je suis en route, bah, écoutez, vers la maison pour repartir en métro. Et bah, écoutez, il y a un petit tard, donc ça peut toujours servir. Voilà. Donc là pour savoir, je suis allé chercher des billets de train. Et au retour, un petit tard, bah, écoutez, ça fait plaisir. Et oh. Ok, joli. 1, 2 et 3. C'est bon. Ok, un petit tard dans la poche, ça fait toujours plaisir. Et là, j'ai assez de bonbons pour faire tartare. Du coup, on le fera, eh bien, écoutez, en plein dans la vidéo. Et du coup, il y a un Evoli qui apparaît avec l'encens sur le trajet du retour. Mais écoutez, c'est parfait, ça. C'est parfait. Peut-être que je referai un aqualien, un truc comme ça. Ça peut être intéressant. Du coup, on va directement partir sur une Beframbie. Tac. Et on va utiliser une petite Super Bowl. Et c'est parti. Joli lancé. On va voir ce que ça donne. Allez, 1, 2... Et seulement 2. What the fuck. Souvent je galère avec les Pokémon en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il y a. 1, 2 et 3. C'est bon, directement. Attrapé, ça fait plaisir. Donc du coup, un petit évolue en plus. Je dois avoir pas mal de bonbons sans vous mentir. J'en ai 55. Et du coup, je vous montre où je suis. C'est vachement sympathique. Voilà ce que ça donne. Donc là, je suis à la mairie de ma ville, tout simplement. Et il fait beau. La chasse n'est pas super, mais au moins il fait beau, je profite de ma journée, donc ça fait plaisir. Voilà. Donc on a un 9-10 km, on va voir ça tout de suite ce que ça donne. Allez, please. Non, me dis pas que c'était un 9-10 km. Ça m'étonnerait, franchement, ça m'étonnerait. Ah, 6100. Me dis. Ah non, c'est peut-être celui-là, on va voir ce que ça donne. Allez, 9-10 km, s'il vous plaît. Non, ah, je sais pas. Je sais pas, mes amis, je sais pas. Je vais aller voir ça tout de suite, mon Dieu. Du coup, c'est parti, on va voir ça. Tac, c'est pas là, c'est ici. Viens ici. Et c'était bien 9-10 km. C'est pas possible. Mes amis, j'ai la bête de poisse. J'ai la poisse dans les 10 km. J'ai un Scarabrut. C'est inutile, un Scarabrut. J'ai que des insécateurs et volé un Scarabrut. J'aimerais bien avoir Ptera, Levena ou Loclas ou même Ronflex. Mais j'ai rien de tout ça. Mais bon, je lâche pas. Et du coup, bah, on me dit peut-être à tout de suite pour un autre œuf. L'hyperbole à 535, c'est à mon avis. C'est ce qu'il faut. Voilà, joli lancé, on va voir ce que ça donne. Allez, 1, 2 et 3, c'est bon, ça fait plaisir. Un petit Evoli, à nouveau. Ok, bah dites-moi comment vous voulez voir, Voltali, Pyroli ou Aquali. Allez, et je le renomme avec un nom d'abonné. Dites-moi en commentaire, laissez un petit pouce bleu. Et, excusez-moi pour le bruit du camion, et je mettrai un nom d'abonné. Voilà. Pas terrible, pas terrible. Du coup, un nouvel œuf. Bah, j'ai beaucoup marché. Du coup, il y a pas mal d'œufs qui éclos. Mais écoutez, ça fait toujours plaisir. Et nous avons. Oh my god. Oh là là là. C'est nul. Un aspicot qui servira strictement à rien. Deuxième œuf, du coup, on va voir ce que ça donne. Allez. Allez. Oh là 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 là. Putain, chenipan. Mais what the fuck. Et c'est tout. Ok. Mais écoutez, là, je rentre à la maison et je repars directement juste après. Quelle surprise, quelle surprise. Il y a un Bulbizarre juste à côté de chez moi. Mais what? Il y a un Bulbizarre juste à côté de chez moi. Ça, évidemment, je le prends.
On va voir ce que ça donne. Oh, ça fait tellement plaisir, mes amis. Je suis à une minute de ma maison et là, il y a un bulbe bizarre qui tombe. Avec l'encens, l'encens qui marche de mieux en mieux. Et seulement deux, tac. On va aller envoyer une Beframby, tac. Et on va y aller à la Super Bowl, je pense. C'est parti. Allez, Bulbi. Bulbi, Bulbi, Bulbi. Et voilà, ça c'est fait, mes amis, génial. Du coup, un petit Bulbi qui servira de bonbon pour mon gros florisard. Yeah. Eh ben écoutez, encore un œuf. Du coup, juste après cet œuf, on va se retrouver pour une session d'évolution. Allez, allez. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mes amis. Ok, 833, bah écoutez, c'est pas mal. Vraiment, ça fait plaisir. Et encore un œuf. On va voir ce que ça donne. Allez, allez. Oh là là, chenipan, chenipan, c'est quasi inutile. C'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, ben on se retrouve pour une session d'évolution. Je suis devant mon PC et eh ben écoutez, juste, j'avais commencé la séance d'évolution et il y a un Nidoran qui vient d'apparaître. Ben écoutez, je prends. Je vous dis pourquoi pas. Tac, une petite hyperbole pour être sûr de l'avoir. Et non, je loupe mon hyperbole. Du coup, je vais y aller à la Super Bowl, je devrais les économiser. Petite erreur, tac. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez. 1, 2. Et 3. Ok, c'est cool, un petit nid d'oran femelle. Et il me semble que c'est pile ce qu'il me fallait pour avoir mon nid de queen. On va voir ça tout de suite. Et oui, c'est pile ce qu'il me fallait. Du coup, on va voir ça en évolution. Mes amis, je suis, bah, écoutez, dans mon jardin. Et bah, écoutez, on va se retrouver pour quelques évolutions. Donc, on va compléter mon Pokédex. C'est parti. Alors, du coup, on va aller ici. Tac, on va aller dans favoris. Et donc, du coup, voilà ce que j'ai un peu à faire évoluer. Donc, c'est parti, mes amis. N'hésitez pas à laisser un big pouce bleu si vous êtes content que je fasse des évolutions. Let's go. C'est parti pour avoir Galopa. Je vais mettre un petit peu de son, ça peut être sympathique. Allez. On va voir ce que ça va donner. Ok, un petit Galopa, c'est vachement sympathique. Ça fait plaisir. Ah, franchement, ça fait tellement plaisir. Magnifique petit Galopa. Génial. Génial, mes amis. Génial. Du coup, il s'ajoute au Pokédex. Il a combien? Il a 1225. C'est vraiment pas mal. Ok. Du coup, maintenant, on va faire évoluer le Neuneuf. Alors, ça, c'est vraiment le Pokémon que j'attends à fond. 612. C'est parti. Je suis vraiment content. Notre Coco, c'est vraiment un Pokémon qui fait partie du top 10. Ah, franchement, mes amis, ça fait plaisir. Ça, c'est juste génial. Ça, mes amis. Ça c'est vraiment top. Donc, je sais pas s'il va y avoir du vent ou pas, je m'en excuse. Et c'est parti pour Noix de Coco. Noix de Coco qui apparaît et ça c'est bien. Regardez-moi ça, c'est juste génial. Regardez, il est là, le Noix de Coco. Oh, c'est mortel. Oh, il est super beau. 1657. On va directement le monter, on va voir ce que ça donne. Tac, on va le recharger un petit peu. Oh là 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 là, il va être surpuissant. Il va être surpuissant, alors on va voir ce qu'il attaque juste après, juste ici, voilà. Donc du coup il a choc mental et lance-soleil. Lance-soleil, ah ça peut vraiment être pas mal. Eh bien écoutez, je suis vraiment content. Noix de coco. On ne voit pas souvent celui-ci. Hein. Ah ça fait plaisir. Du coup je le booste un peu. Hein. C'est vraiment un Pokémon que je voulais énormément. Ah je suis content. Franchement, ça me fait plaisir mes amis. J'espère que vous aussi ça vous fait plaisir de voir ce Pokémon. Tac, du coup maintenant je vous propose directement qu'on fasse un petit Flagados. Alors ça je l'ai déjà, mais écoutez, voilà, il va être surpuissant celui-ci. J'ai jamais eu aussi un Ramolos aussi gros. Donc voilà, petite séance d'évolution mes amis, mais écoutez, ça me fait plaisir. C'est parti, c'est vrai que j'aurais pu activer un 9 chance. Bon écoutez, je m'en fiche un petit peu, c'est pas grave, je ferai une autre session d'XP un jour. Et du coup, Flagados. Flagados qui apparaît. On va voir combien il a. 1447, ça fait vraiment plaisir. Ok, j'ai failli lâcher mon portable, personne n'a rien vu, ça fait plaisir. Du coup, bah écoutez, je vais quand même activer l'off chance. Donc j'en ai pas mal, hein, j'en ai acheté un petit peu. Tac. Bon, je suis désolé, je l'ai fait en retard, mais c'est pas grave, pas de pression. Là, du coup, on va faire Ectoplasma. On peut pas le faire, pas encore en tout cas. Alors du coup, je vous propose, mes amis, qu'on fasse Match Hopper. Match Hopper. C'est parti, j'ai pile le bon nombre de bonbons. Allez, génial. Un petit Match Hopper. On va voir ce que ça donne. Allez, allez Match Hopper. Ah, j'ai tellement hâte de voir. C'est un Pokémon que j'ai vraiment jamais vu nulle part, ça. Waouh. La classe. La classe. Ok, du coup, c'est parti. Voir ce que ça donne. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. Du coup, Match Hopper, quasi 1000. Ok, 969, c'est très bien. Du coup, on complète le Pokédex à fond. Du coup, maintenant, on va passer à Soporifique.
en hypnomade. C'est parti, hypnomade, je ne l'ai toujours pas. Du coup, c'est parti. Let's go. Let's go. C'est vraiment une grosse session, hein. Grosse session d'évolution, mais là c'est que des bons Pokémon, donc je me suis dit ça valait le coup que je le fasse en caméra. Et hypnomade. Hypnomade, yes. Super, ah, ça fait plaisir. Oui, je sais que je me répète beaucoup mes amis, mais écoutez, moi j'aime bien dire ça. Tac. Et du coup 1200, c'est vraiment pas mal. On continue donc du coup, là je devais faire évoluer, il me semble, tac 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 tac, encore un Caninos en Arcanin. C'est parti, let's go. Il y a un petit tweet mais c'est pas grave, merci pour le j'aime. Ok, allez tac, un Arcanin à nouveau, donc c'est mon deuxième Arcanin. Allez, génial, génialissime. Oh là là, il est tellement beau ce Pokémon, il est vraiment beau. Ok, 1675, c'est vraiment énorme. Ok, alors du coup là on va passer à des choses vraiment intéressantes. On va faire évoluer mes amis, regardez-moi bien. Nidoran, femelle en Nidorina. Faire évoluer. Alors oui c'est ça, faire évoluer. Et regardez bien, en le faisant évoluer, je vais gagner un bonbon et je vais pouvoir avoir mon Nidoqueen. Ah c'est énorme, franchement c'est énorme. Grosse session évolution, je suis vraiment content. Plein de nouveaux Pokémon. Et ça, ça m'a valu des heures et des heures et des heures de chasse, de marche pour faire éclore les œufs, de trouver les Pokémon, etc. Et là c'est comme un accomplissement, vous voyez. C'est vraiment génial. Du coup, Nidorina, et qu'on peut faire directement évoluer puisque j'ai pile 100 bonbons. C'est parti pour Nidoqueen. Lourd, ça c'est lourd mes amis, c'est vraiment lourd. On va voir ce que ça donne. Ah, j'espère vraiment que vous êtes contents. Franchement, j'espère que vous kiffez. Aïe 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 aïe, c'est lourd, c'est lourd. Regardez-moi ce Nidoqueen. Génial. Génialissime. Oh là là. Oh, c'est génial. 1398. Oh, c'est génial. Ok, du coup, tac, je reprends mon portable. Et là, du coup, on part directement pour Nidoran. Nidoran qu'on va faire évoluer en Nidorino. Et après, et mes amis, en Nidoking. Et oui, pas le temps de niaiser, pas le temps de niaiser, c'est vraiment une grosse session, c'était une big surprise que j'avais prévue pour vous. Je sais que vous l'attendez, vous étiez pas très content que je l'ai pas fait avant, mais voilà, je voulais vraiment vous faire tout en même temps. Et bien écoutez, pour le plaisir des yeux. Donc là c'est Nidorino, je l'ai déjà. Et du coup, parce que là je l'ai, pourquoi je l'ai refait, parce qu'il va être plus puissant. Combien il a? Combien il a? Combien tu as mon pote? 700, ouais, carrément. Oh là là, les miens ils avaient 400. Et du coup, c'est parti pour Nidoking. Nidoking mes amis, c'est énorme. C'est énorme, Nidoking. Allez, fais péter Nidoking. Allez, allez. Oh là 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 là, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Là franchement, grosse session de gros Pokémon. Nidoking, génial. Tac. 1389, du coup je vais un peu le booster, allez. On va passer à 1400, voilà. Un petit Nidoking à 1400. Du coup il me semble que je peux faire également un Fenard. Tac, on fait un Fenard directement. En fait j'ai bien fait d'activer mon 9 chance, hein. Je me suis pas rendu compte. Mais voilà, ok. Du coup on part directement pour un Fenard, à nouveau. Donc ça je l'avais pas, hein. Désolé pour le vent, je pense que ça va faire du bruit dans le micro, j'en suis désolé. Il y a énormément de vent d'un coup. Et Fenard, oh il est magnifique. Magnifique ce petit Fenard. Waouh, ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Et du coup combien il a? Il devrait être pas mal aussi il me semble, hein. 1211, et eh bien écoutez c'est très raisonnable. Tac. Du coup alors là grosse surprise également, mais je peux faire, et eh bien écoutez regardez moi ça, un tac, un tétarte et puis un tartare. C'est parti, let's go. Désolé pour le vent, j'en suis désolé, c'est un peu me décaler du coup. Tac. Et du coup, voici Tétarte. Tétarte qui fait vraiment plaisir. C'est vraiment une grosse session, je vous l'avais dit. Grosse session, mais il n'y a que des bons Pokémon. Et Tétarte qu'on va faire évoluer en Tartare. Première fois que je vais avoir Tartare. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial mes amis. Vraiment génialissime. Désolé pour le vent, je m'en excuse vraiment, j'en suis désolé. Et du coup, Tartare, regardez-moi ça, oh c'est génial. Le petit Tartare. Oh génial, génial, normalement il devrait être pas mal. Hein. Il devrait être pas mal du tout normalement. Et regardez tout en bas, il est complété, génial.
Et du coup 1424, on va le gonfler un petit peu. Allez, on va le faire monter jusqu'à 1500 si on peut. J'ai pas mal de poussière. Tac, 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 il est là-haut. Regardez, regardez tout ce qu'on a eu. Regardez tout ce qu'on a eu, c'est vraiment abusé. Tac, on va le faire monter jusqu'à 1500, je pense. Excusez-moi. Tac, c'est parti. Voilà, 1495. Il me reste combien de poussière? On va regarder ça tout de suite. Ouais, bah c'est bon. Allez, plus de 1500 pour un tartare. Voilà, 1531, ça c'est pas mal du tout. Alors j'ai encore quelques évolutions à vous faire, il me semble. Tac, 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 tac. Oui, j'ai un sablette à faire en sablero. C'est parti. Allez, on profite à fond, désolé pour le vent. Je suis vraiment désolé pour le vent. Vraiment désolé. Je sais pas ce que ça va faire sur le micro. Allez, on profite à fond. On profite à fond parce que vraiment ça m'a valu beaucoup de temps pour avoir tout ça. Et du coup, un joli sablero. Génial, oh je suis trop content. Franchement mes amis, je suis en plein kiff là. C'est vraiment plusieurs jours de chasse et d'heures de chasse pour en arriver à avoir ces Pokémon. Tac, alors il a combien? 1011, bah écoutez, il a plus de 1000, ça me va. Tac, et du coup il me reste encore une évolution à faire mes amis. Et c'est parti, c'est Abra en Kadabra. Alors il me semble que ça c'est mon plus haut hein. Faire évoluer, c'est parti. Allez. Là vraiment mes amis, c'était une grosse grosse session d'évolution. Je ne sais pas s'il y aura d'autres gameplay à côté. Parce que voilà, j'ai fait une petite sortie, j'ai rien eu, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, Kadabra, waouh, il est magnifique. Magnifique Pokémon. Magnifique Pokémon. Aïe aïe aïe. Tellement lourd du coup à la caserne, je vais beaucoup galérer hein. Sans bonbons, oh my god. Oh my god, du coup j'ai fait tout ce que je voulais. Après le reste on les a déjà vus il me semble. Ah non, tiens, je peux faire Paras en Parasect. Allez voilà, c'est moi qui régale. C'est moi qui régale, c'est parti. Je sais que beaucoup voulaient des évolutions, pas des évolutions en masse de n'importe quel Pokémon, mais vraiment des évolutions qu'on ne voit quasiment jamais. Et bah je vous l'ai fait, je vous l'ai fait mes amis, ça me fait plaisir. Regardez-moi ça, hop là, je l'avais pas dans le dans mon Pokédex celui-ci. Voilà. Olé. Et du coup, un nouveau. Voilà, Paras, quasiment à 1000. C'est génial. Du coup, là, je peux faire un psychocroque, etc. Mais je pense que je les ferai après. Ou ça, sinon, je refais une dernière évolution vraiment pour le fun. Qu'est-ce que je peux faire? Mystère, non. Chétiflore, non. Ça me sert à rien. Qu'est-ce que je peux vous faire d'intéressant? Ah ouais, je comptais faire un Crabos aussi. Bon, je peux vous faire un petit Crabos. Ou Racaillou, tiens. Racaillou, peut-être. Je suis en train de réfléchir. Bon, allez, vous savez qu'on se fait un évolu au hasard. Allez, on se fait un évolu au hasard. Pour le fun. En plus, il est énorme, celui-ci. 599. Il est vraiment pas mal. Et du coup, ouais, ça fera une grosse, grosse session d'évolution. Mais j'adore ça. J'adore voir les évolutions. Du coup, allez. Oh, Voltali, lourd. Lourd, un Voltali en plus, génial. Moi ouais, j'ai voulu le faire au hasard parce que j'ai déjà les 3 hein. Peu importe, moi les 3 me vont mes amis. Et du coup 1193, c'est vraiment pas mal pour un Voltali hein. Les Voltali sont très durs à monter. Ok, et du coup mes amis, bah écoutez, c'est la fin de cette session d'évolution. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à tout de suite. Du coup je repars à la chasse un petit peu. Et écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Du coup je repars à la chasse. Et si je ne trouve rien, bah écoutez, on se dira genre à tout de suite pour la fin de la vidéo. Et sinon je partirai demain vers un spot qu'on m'a donné. Bien sûr j'ai eu l'information trop tard, mais j'irai demain à un autre spot et peut-être que j'aurai Tortank. Donc on verra ça demain. Donc c'est parti, let's go. Que je vois, il y a un Crabos mes amis, un Crabos. Sinon il n'y a pas grand chose de terrible, écoutez. Bah écoutez, on va voir ça. Tac, 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 tac. Une petite déframbille, on va y aller à la Super Bowl. C'est parti, joli. Ok, on va voir ce que ça donne, un petit Crabos, please. Deux, non seulement un, seulement un. On relance direct juste après, on peut voir ce que ça va donner. Dommage, c'est raté. Allez. Ah il est vachement loin, il est vachement loin et c'est pas facile du coup. Ok, on va voir ce que ça donne, c'est parti. 1, 2 et seulement 2, du coup on y va avec une Beframbie. Donc là je pense que je vais vous laisser tout le combat pour vous montrer à quel point des fois, bah écoutez, je vous coupe pas mal de choses hein. Allez please, 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 please. Allez c'est parti s'il te plaît. Allez Crabos, allez mon pote. 1, 2 et seulement 2, mais what the fuck. Du coup Beframbie, bah du coup là je vais augmenter à l'hyperbole, du coup je suis carrément obligé. Tac, on n'est pas beaucoup.
Oui, j'ai réussi du premier coup. Allez. Allez, Krabos. Un. What? Mais regardez-moi ce Krabos, comment il s'est fait, c'est vraiment abusé. C'est vraiment, vraiment abusé. Et du coup, j'ai loupé une hyperbole. Ok, allez, c'était limite, mais c'est bon. On va regarder ce que ça donne. Allez. Allez, Krabos. 2. Et 3. Enfin, le Krabos est capturé. Et ça, ça fait plaisir. Ok. Ça, c'est bien, Krabos. Il me semble que je l'avais déjà. Oui, 938, c'est vraiment pas mal du tout. Ok. Eh bien du coup mes amis, la chasse n'a strictement rien donné, je me suis dit je vais arrêter là puisque j'ai largement assez écouté d'images je pense pour vous faire un bon épisode. Du coup il y a une petite partie de chasse, une petite partie pour des œufs, une petite partie pour l'évolution, donc je pense que c'est assez complet. C'est un épisode très court, il me semble qu'il va durer je ne sais pas, peut-être 12-13 minutes, je ne sais pas, en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai fait vraiment mon mieux, la chasse ne peut pas être bonne tous les jours et directement je pense que je vais partir ce soir ou demain dans un spot qu'on m'a donné et je vais essayer d'avoir le fameux Tortank mes amis. J'espère que je vais avoir Tortank, j'ai trop envie de l'avoir, j'ai trop envie d'avoir Tortank mes amis, c'est vraiment un starter que je veux le plus bien sûr avec Dracaufeu. Du coup ça serait mon deuxième starter évolution finale. Après je m'avance beaucoup trop, je ne sais pas si j'aurai Tortank, je suis encore un petit peu loin d'avoir Tortank, mais voilà, mon but de la vidéo de demain sera d'avoir Tortank et j'espère y arriver. Donc voilà mes amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu vraiment vraiment, est-ce que voilà, si ce format plus court vous va, est-ce que vous voulez plus de gameplay, plus de chasse, moins d'évolution, plus d'évolution, plus de, etc. En tout cas voilà, pour moi c'était un petit peu complet. Les Pokémon n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais pour moi, voilà, j'ai bien aimé, bah, écoutez, vous faire cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner pour ne plus en louper. Et on se dit à très bientôt. Bye bye!